Mesdames, messieurs, bonjour. C'est une très belle journée printanière qui vous attend aujourd'hui avec des températures jusqu'à 8 degrés au-dessus des moyennes de saison. Profitez-en des conditions anticycloniques qui s'étalent de la péninsule ibérique vers l'Europe centrale. Un autre anticyclone actuellement présent en direction de l'Irlande. Et entre les deux, eh bien, nous avons cette petite perturbation qui va nous concerner, nous apportant des pluies modérées. Pour l'instant, c'est un temps calme et sec. Mais regardez, la perturbation est en train d'arriver le long des côtes de la Manche. Elle va nous concerner donc cet après-midi. En fin d'après-midi, vous allez retrouver quelques gouttes sur le Finistère ou encore sur le Cotentin. Un léger voile qui va se dessiner à l'avant de la perturbation. Quelques entrées maritimes autour du golfe du Lion. Les températures pour votre après-midi, 20 degrés attendus à Paris. On aura 21 du côté de Strasbourg ou encore de Besançon, jusqu'à 26 degrés du côté de Biarritz, avec par effet de fun, eh bien, des températures qui vont donc grimper jusqu'à 8 à 9 degrés au-dessus des moyennes de saison. Ce soir, la perturbation continue d'avancer dans les terres. On la retrouve en matinée des Pays de la Loire en remontant vers les frontière du nord-est, avec des pluies modérées tout de même. À l'arrière, quelques éclaircies qui reviennent et la perturbation a vraiment du mal à avancer dans les terres. On aura un ciel un petit peu plus nuageux qui va se dessiner des Pyrénées en remontant jusqu'à la plaine d'Alsace. Toujours ces quelques bandes brouillards et de brume attendues autour du golfe du Lion. Alors les températures en matinée sont plutôt douces, comprises entre 7 et 15 degrés. 15 degrés pour Nice, 12 degrés à Paris ou encore 11 degrés à Bordeaux. Et dans l'après-midi, ça chute sur la moitié nord. On perd localement une dizaine de degrés. On ira encore jusqu'à 24 degrés du côté de Tarbes ou encore de Biarritz, mais seulement 11 degrés à Lille. On passe en dessous des moyennes de saison. Et ce n'est pas fini. Les températures vont donc baisser à partir de lundi sur pratiquement toute la France. On sera dans des valeurs de saison. Et attention au retour des gelées attendues à partir de mercredi. Alors, pour cette journée de lundi, nous allons retrouver cette même perturbation qui continue d'avancer vers le sud tout en perdant de son activité. À l'arrière, retour des éclaircies. Un petit peu plus franche d'ailleurs pour la journée de mardi, avec une chute des températures après le passage de cette perturbation. Un temps beaucoup plus calme vers le pourtour méditerranéen. On retrouvera bien sûr de la neige à haute altitude sur les Alpes du Nord. Mercredi, retour au calme sur les trois quarts du pays. Quelques averses essentiellement sur les reliefs du sud. Un ciel plus nuageux également dans le sud-ouest. Jeudi, c'est une très très belle journée ensoleillée. Mais attention au retour donc des gelées matinales à partir de mercredi et surtout jeudi, avant l'arrivée d'une nouvelle perturbation par le nord-ouest qui va nous concerner durant le week-end avec ce flux océanique qui va nous apporter des averses nombreuses, de la neige sur les reliefs et des températures de saison. Mais tout de suite, place au journal, Leïla Kaddour.